Voilà, c'est jeudi le 16 octobre 2019 au nord de Barcelone. On voit ici, après l'arrivée des premières cirrus depuis hier, du front chaud, donc du secteur chaud, de la première perturbation qui arrive. Donc les cirrus, pas bien visibles maintenant, mais elles sont un peu à l'avant des altocumulus. On regarde direction est et les nuages se placent arrière-gauche jusqu'à la droite. On voit donc des altocumulus Castellanus, Undulatus, Lenticularis, Duplicatus, avec Virga parfois. Donc c'est déjà très complexe. Tout de suite, dès l'arrivée des premiers altocumulus, on a cet aspect du ciel extrêmement complexe, avec un cisaillement de 90 degrés à peu près ici. On voit bien, tac, tac. Et c'est à peu près dans cette région-là, devant la mer, qu'on va, dans 2-3 jours, voir la dépression se former. Une dépression possiblement très forte. Où ça va se passer, on ne sait pas exactement. Mais ça va se passer par là quelque part dans cette région. À l'arrière, les Virga et les altocumulus bien illuminés par le soleil couchant de cette journée annonciateur de gros temps. Donc en premier temps, on attend le front pour demain, après-demain. Après-demain, il devrait passer. Entre samedi et dimanche, un passage de front. Après le front, il va rester bloqué sur la mer. Il va faire du surplace. Puis avec l'enrouement, il va revenir en arrière. On aura un retour d'est violent en deux parties. Une fois tout le front et une fois le front le long passant au nord. Et avec tout ce qui vient avec. Donc on risque d'avoir du gros ici. Ou bien quelque part dans ces régions de la Méditerranée. Voilà, magnifique encore. 3 jours même avant le passage du front, on arrive déjà à voir un cisaillement de 90 degrés ici. C'est beau.